Mesdames et messieurs, c'est chaud au 237 avec les clashers. Écoutons, c'est la magie. Hein, papa? Venez, mince, bipez-moi un peu ici, tu dengue en fait. Les deux ou c'est tintin ou c'est tintin, on dit tintin en français. Deux tintin comme ça. Déjà pour commencer, Tic Dengue, sache que j'ai écouté ta vidéo en accéléré x4. Parce que honnêtement, je n'avais pas cette patience-là de pouvoir attendre que tu sortes chaque mot de ta bouche. Je suis désolée. Et c'est tous les gens de petit état et les coups qui ont tous les fous dans le ventre. Déjà, qu'est-ce qui te prouve que je suis courte? Voilà l'autre. Son nez veut tomber, ne voit pas comment son nez est en train de vouloir tomber de son visage. On s'est déjà vu dans la vraie vie, toi et moi. Et donc, les mères, ça bout des choses des gens. Toutes ces vidéos, ça vous parle des choses des gens. Laissez pas la vie des gens. Regarde-moi l'autre. On vous doit quoi? Ok, on va aller pas à pas. Si vous parlez d'elle, vous parlez des gens. Laissez la vie des gens un peu tranquille. Est-ce que vous savez que ce même Tic Dengue, depuis que son ami, son soi-disant ami Cabrel est parti, il a déjà fait énormément de vidéos dans lesquelles il a mis son code promo. On peut vous taper. Vous laissez un peu la vie des gens tranquille. Vous le savez, oui ou non? C'est-à-dire que Tic Dengue a fait la publication disant ouais, mon frère est parti, mais à l'intérieur de cette vidéo, il a mis son code promo. J'ai ma Cabrel, mon chat, pour ton téléphone, pour déposer. Tu as mis les produits et puis sur ça. Quel être humain censé faire ça en fait? Si tu veux dire que oui, on est des personnes, on est des vautours, on rôde, on fait des vidéos, pourquoi est-ce que tu fais ta vidéo où tu parles de ton ami de cœur qui est parti et tu mets ton code promo? Ça, c'est de 1. Laissez pas la vie des gens. C'est-à-dire que vous faites la promotion de ce genre de personnes qui ne parlent que du Congo, ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est le mal, c'est parler les choses des gens. Pause publicitaire. Bienvenue à Afrique Nature. Comme vous le savez bien, je communique uniquement pour les entreprises reconnues par le gouvernement camerounais. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelée typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Artemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril. Oli, urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez citées là. La particularité de Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. Ok, continue. Ce garçon est énervé, je ne sais pas pourquoi, parce que déjà, je n'ai jamais eu à faire mention de lui dans toutes mes vidéos en fait. Jamais au grand jamais. Vous laissez ceux qui font les vraies vidéos pour faire, vous les encouragez pas. Ils sont nombreux sur Facebook. Qui font les vidéos mais qui n'ont pas les vues, on les connaît pas. Encouragez les vraies personnes, non? Laissez les gens du Congo ça, non? En fait, les amis, tout est parti d'une vidéo que j'ai postée il y a 2 ou 3 jours sur ma page. Je vais vous mettre la capture d'écran là. Sous cette vidéo, j'ai constaté que Tic Dengue était venu, voilà, pour laisser un commentaire. Dans la vidéo en question, je parlais de Lor Mwaminga, en fait. C'est-à-dire que je donnais des conseils à Lor Mwaminga concernant un audio qui circule sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je n'ai insinué rien de chez rien. Je n'ai même pas trop fait allusion à Cabrel Langib. Je parlais exclusivement de Lor Mwaminga. C'est un du Congo, ça? Pas encore ça, pas encore. Il y a souvent, il fait quand même les tests pour élever les gens. Donc le voilà, il tombe sur ma vidéo de manière hasardeuse. Il arrive et il laisse son commentaire en fait en dessous de ma vidéo. Et le commentaire aussi bidon que sa personne était tout simplement en train de m'insulter sur mon physique. Oh, tu as un gros nez, ta vie s'est fait le Congo, ça, etc. Je suis désolé, mais c'est ma ligne éditoriale. Le débat, c'est pas de ferry. Le débat, c'est prendre son téléphone, filmer, couper, coller, monter, mettre les effets. Ça, c'est déjà le travail, c'est à encourager. Quand c'est un travail, il faut encourager. Quand quelqu'un met sa caméra, commence à bavarder, comme je suis en train de faire là. On partage mes lions et mes lions. Soit pas des mots, je ne parle pas. Vous venez, vous, là, parce que vous voulez écouter le Congo, ça.
Il faut arrêter ça. Tout ce dont je parle ou tout ce dont je fais allusion se retrouve sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas qu'on parle de votre vie, bouclez votre vie et restez dans votre trou en fait. Vous voyez les deux personnes, c'est les deux pages ici là. Les deux pages que vous voyez cela. Vraiment, moi je ne les blâme même pas. Je ne les blâme pas parce que c'est vous qui encouragez ce qu'ils font. Et puis, ta sortie en ce moment démontre encore une fois de plus ta recherche illimitée de buzz en fait. Parce que si réellement tu respectais la mémoire de ton ami Cabrel comme tu le clames haut et fort, tu n'aurais jamais fait cette sortie, sachant pertinemment que cette sortie va encore faire du bruit et apporter de la distraction là où on devrait être concentré à pleurer Cabrel. Tu le sais pertinemment, mais au lieu de ça, tu n'as pas pu résister à la pression, à cette opportunité de buzz en fait de plus que tu avais pour faire cette vidéo. Tu pouvais faire vue et ignorer, tu pouvais te taire. C'est pas simple respect pour ton soi-disant ami comme tu le dis. C'est vous qui encouragez ce qui font ça, parce que dans un sac d'haricots, tous les grains d'haricots ne peuvent pas être bon, il y a tous les pourris, chacun qui n'est avec son ventre. Donc moi je vais pas les blâmer. Hein? Vous êtes tous pareils, vous les faux amis de Cabrel Nangib là. Je me rappelle également, il y a l'autre qu'on appelle Claudio, qui ressemble à un tchelé là. Lui, carrément, ce qu'il a fait, c'est que son ami vient de partir. Il fait carrément un post pour dire qu'il a ouvert son salon de coiffure. À l'occasion du décès de Cabrel Nangib, les 20 premières personnes qui arrivent auront des coiffures à prix réduit. À quel moment quelqu'un de censé écrit ça en fait? Mais quand les deux énergumènes, ce genre de personnes, ce genre de... Même pas de mots. Ce genre de coups de personnes de petite taille. Tu viens parler que wow. Honnêtement, quand tu viens t'adresser à moi, Marie Bibi, parle avec des arguments. Laisse les histoires de toi m'insulter et tout. C'est démodé. D'accord? Parce que honnêtement, on ne me voit pas comme ça. Hein. Je ne suis pas ta camarade de TikDengue. Vous, les petits pisseurs de TikTok, par-ci, parlez. Vous pensez que non. Si vous êtes illettré, c'est tout le monde qui est illettré. Je ne suis pas ton égal. D'accord? J'envoie assez direct au général. Barcero. I love this game. Parce que je ne sais pas ce qui me réclame. Depuis que j'ai commencé mes voyages en Europe, à Dubaï, je n'ai jamais rencontré Barcero. Validé ou pas validé? Mais il parle de mon nom concernant de Chimitoro. Et s'il me connaît, si ce n'est pas les réseaux sociaux, il devait me connaître où? Fais pas attention à son attitude, Meta Facebook, c'est mon oncle. Un exilé politique. Je fais quoi avec des exilés politiques? C'est ma famille. C'est ma famille. Un perroquet qui se trouve dans une case à Paris. Déjà, vous qui allez venir sur cette vidéo, vous interdit de dire n'importe quoi sur Grand Baraque. C'est ma famille. Parce que quand je vais devoir aller régler ça au côté du village, vous ne serez pas moi. Si tu es quelqu'un, viens ici au Cameroun. Tu es en case là-bas. Si tu es quelqu'un, viens ici au Cameroun. Tu peux boire la bière comme je bois là. Je vous interdis d'abord. Je ne veux que des gentillesses sur Grand Baraque. Tu peux boire la bière ici comme je bois au Cameroun. Grand Baraque, maman Wok. Je t'ai compris. Je t'ai compris, il n'y a aucun problème. Facebook, je t'ai expliqué, c'est un membre de ma famille. Et dans ma famille, c'est comme ça qu'on se donne de l'amour. Nous, on est les étoiles. Tu peux prendre l'avion pour venir au pays. Tu es normal. Il en est nous aux autres. Bon, tu avais une librairie de sorcellerie à Paris avec un Momoro. Nous, on les étonne. Quand un étonne te dit que Zami Noanyo, ça veut dire qu'il t'aime de tout son cœur. C'est un étonne. Ce n'est pas quand un étonne dit qu'il a un oiseau, ça veut dire qu'en fait, que la terre, je te bénis de tout le bonheur. On est sombre et tout, hein. Tu connais même le chez toi encore. Tu peux même connaître la roue qui va chez toi encore là. On est énergie. Là, comment Grand Baraque attrape son petit nom. Il n'avait pas fini, hein, parce qu'il avait Ami Moyo, mon cousin. C'est la personne qui tient la caméra là, c'est Ami Moyo, c'est mon cousin. Donc, ils ont décidé de m'envoyer un message d'amour. Mon oncle, Grand Baraque, et mon cousin, Ami Moyo. Qui te connaît même ici encore au Cameroun? Tu parles te faire voir dans les réseaux sociaux à Paris pour parler de Chimitoro. Ce qui a été passé depuis plus de 10 ans aujourd'hui, tu viens parler ça. C'est le sang de mon sang. La chair de ma chair. Le continent, ma vie. Grand Baraque que vous voyez là. Ami Moyo que vous voyez là. Je suis capable de mettre le monde dans un état compliqué. Si quelqu'un
le manque de respect. On t'a dit que j'avais des problèmes avec Chimitoro. C'est Chimitoro qui a lui a dit que je parlais de sottises. Je lui ai arrangé, je lui ai répondu aussi arrogamment. Donc, quand vous nous parlez que vous dites que vous avez dit qu'on n'allait jamais faire la guerre, je prends personne à faire la guerre, on te respecte juste. On n'a jamais parlé de toi en mal. Quel est le problème que Benjo mette ton nom parmi les anciens employés de Siantou? Est-ce que c'est faux? Donc, quand tu dis que tu as des ayants droit, tes enfants là venaient animer à Siantou avec toi. C'était tout pour aujourd'hui les amis, le 237 non, c'est la magie. Merci de partager la vidéo. Non, le continent c'est sucré, fier de naître au Cameroun. C'est la magie au 237 les gars. Partagez la vidéo, la page est restreinte. Partagez la vidéo les amis, partagez la vidéo. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Bisous, ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.